Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo, donc les gars, sur le jeu The Crew 2 via mon PC, les gars. Et donc là, il y a du très lourd dans cette vidéo, les amis, tout simplement parce que, alors je sais pas si vous voyez là, Ubisoft est actuellement en live en train de faire sa conférence, tout simplement sur toutes les nouveautés qui y arrivent. Et du coup, qui dit Ubisoft dit The Crew 2, les gars. Hop, je décale ma tête là, voilà, The Crew 2. On a les infos sur le futur de The Crew 2. Donc les gars, il est passé la première année, la deuxième année, et là, la troisième année. Donc c'est en gros le trailer de la troisième année. Les gars, c'est vraiment du lourd. Franchement, c'est du lourd. Franchement, c'est le top. Bon, les gars, sans plus attendre, on va regarder ce trailer. On va le regarder ensemble. Je vais pas trop parler, je vais vous laisser un peu profiter. Et juste après, du coup, je le relancerai. Et du coup, on essaiera un peu de détailler un peu tout ce qu'on aura vu. Voilà, histoire d'approfondir un peu le sujet. Et vous allez voir, il y a quand même des choses assez sympathiques. Allez, sans plus attendre, je me mets en full, comme ça, plein écran. Moi, je vais mettre en tout petit, voilà, là, sur le teco. Voilà, histoire que je vous dérange pas. Et j'ai envie de dire, les gars, on est parti. Allez, go! Ça commence bien. Ça commence très bien. Hi everyone, I'm Sofiane Marimi, live producer here at Ubisoft Ivory Tower. For 2 years now, we've welcomed millions of players and deployed major updates every 4 months. These updates brought a variety of new content to the game, with a particular focus on competition. C'est la mise à jour de Démolition Derby, la dernière mise à jour là avec les hobbies. From November 2020, everyone will discover new ways to enjoy our game. A new season system will be introduced. Et du coup, la troisième année, les gars. Trois saisons. In two different episodes. Our objective here is to continue to deploy new content for all types of players. Oh, to achieve this, ça va déchirer, les gars. We will introduce Motorflix, a new TV show company that will hire you for your driving skills. So, without further ado, here is a glimpse of what's coming in November 2020. C'est de plus en plus du lourd, je trouve. C'est quoi cet engin? Qu'est-ce que c'est que cet engin? Low Rider? Confirmed. Breach in the main vault. I repeat, breach in the main vault. All agents on site now. Ça arrive doucement mais sûrement. Peut-être un petit hélicoptère de la police, hein? Une voiture de la police. Oh. Oh. C'est du lourd, les gars. C'est du lourd. Oh. 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 The Chasse. Alors, dites-moi les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce petit trailer? Est-ce que ça présage pas du très très lourd dans l'avenir de The Crew 2? Franchement, mais en fait au début, The Crew 2, c'était déjà un jeu qui était monstrueux, étant donné que c'est le meilleur jeu le meilleur jeu de sport mécanique tout confondu, c'est-à-dire qui englobe toutes les disciplines de sport mécanique. Et au fur et à mesure, il évolue. Et là, les gars, ben, c'est un monstre. C'est un monstre. Alors, on va re-regarder un peu. Alors, il y a des trucs que j'aurais pas pensé. Mais ils l'ont fait. Déjà ça, les lowriders, rappelez-vous, dans les lives et tout, je disais, ah, ça me paraît bizarre. Les gars, j'étais sceptique. J'étais sceptique. Quand on voyait la photo de la voiture qui était comme ça, levée avec les suspensions, du coup, déployées, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça me paraissait bizarre. Ben, en fait, oui. En fait, oui, les gars. En fait, on va avoir la possibilité de jouer avec les suspensions. Donc déjà, ça, bon, c'est un petit détail, vous allez me dire. On le voit, là. Hein. Là, on le voit clairement que l'avant, l'arrière, donc, OK. Donc là, il y aura moyen. Donc déjà, ça, voilà, en septembre, le 23 septembre, donc ça, ça arrive. LA, Lowrider, voilà. Donc, je pense que ça va être assez sympa. Hein. Allez, on va continuer.
Donc là, il y a le poteau développeur qui nous fait le petit speech. Voilà, donc ça, c'est les 2 ans, ok. Voilà. Toutes les mages qu'il y a eu sur Jeku. Et les gars, en 2 ans, j'ai envie de dire, ils n'ont pas trop chômé non plus quand même. Il y a quand même 6 mages. 6 mages majeurs, les gars. Attendez, je vais me remettre quand même en plus gros, histoire qu'on revoie un peu plus ma vieille tronche. Voilà. Il y a quand même eu 6 mages majeurs dans le jeu. Et comme vous voyez, ce n'est pas fini. Donc ça, ça fait plaisir. On continue. Voilà, donc ouais, bon, ça c'était le démolition derby, la dernière mise à jour, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les hobbies. A new season system will be introduced. Each of these seasons will last 4 months. Un nouveau système de saison sera mis en place. Alors regardez les gars. Donc là, petite pause. On voit ici, là, ici. Après, logiquement, il n'y a plus rien. Logiquement, le jeu était censé, enfin, est censé durer 3 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura après, les gars? Est-ce que ça sera l'arrivée de The Crew 3? Ou est-ce qu'ils vont continuer à développer The Crew 2? Je sais pas, mais logiquement, c'était 3 ans, hein, maximum. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On verra. Alors, autre chose, petit aparté aussi, avant qu'on continue. Ce que j'ai entendu par rapport à la conférence, le peu de temps que j'ai écouté, c'est que, apparemment, tous les jeux qui sont sur PS4 Ubisoft, hein, qu'on soit bien d'accord, dites-moi si je dis des bêtises dans les commentaires, n'hésitez pas à me reprendre, mais d'après ce que j'ai compris, c'est que les jeux d'Ubisoft, dès que la PS5 et la next-gen sera dispo, en gros, les jeux seront upgradés et du coup auront une meilleure qualité graphique, visuelle, tout ça, sans dépenser un centime. Je veux dire, ça sera juste un téléchargement à faire et du coup, le jeu sera upgradé sur la next-gen. Donc ça, c'est pas mal aussi, j'ai envie de dire. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. On continue. Donc là, voilà. Là, c'est un truc. Alors, notre objectif est de continuer à déployer du nouveau contenu. Ça, ils le font très bien, merci à eux. Et là, comme vous voyez, il y a novembre. À chaque fois, c'est scindé en un épisode, deux épisodes. Un épisode, deux épisodes. Un épisode, deux épisodes. Alors ça, je vous avoue, pour l'instant, j'ai pas trop compris. Alors, je pense que ça sera à chaque fois sur le même thème. Et sur le même thème, il y aura 2 épisodes. Je le vois comme ça pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez en cas. Tous les types de genres, ok. Moteur Flix. Les gars, on va être embauchés par une chaîne de série quand même. Pas mal, pas mal. Et là, c'est là que ça envoie du vent. Le trailer commence. Nouvelle série d'action. Et cette voiture, alors je sais pas, ça me fait penser vaguement à une Corvette. Dites-moi ce que vous en pensez, mais l'avant il est ultra bizarroïde. Franchement, c'est de la tuerie. Ça fait ancienne caisse avec un look hyper nouveau en fait. Bon, là-bas dans le fond, on a les Lowriders. Et là, les gars, on a l'hélicoptère, ok. Bah, logiquement, des flics, si je dis pas de bêtises. En gros, il y a dû avoir un braquage ou un truc du genre. Éliminez-les, et là on voit les mecs avec les lowriders qui s'échappent. On a ce monstre aussi. Et là, boum, la police qui arrive, les gars. La police qui arrive. Alors, je sais, les amis, ça a été extrêmement demandé par la communauté, l'arrivée de la police sur The Crew 2. Comme le 1, bon, le 1 je ne l'ai pas fait, hein, je vous le dis, mais je sais que sur le 1 il y avait la police, ça avait été extrêmement demandé par la communauté, les gens voulaient la police sur The Crew 2. Bah écoutez, voilà, hop, c'est chose faite les gars, c'est chose faite, ils nous ont apporté la police sur The Crew 2. Voilà. Donc, alors maintenant la question c'est, est-ce que on pourra prendre le poste de pilotage de la voiture de flic, ou est-ce qu'on sera uniquement en mode voleur? Et du coup, on aura toujours les flics au cul. Ça, c'est la question. Je sais pas du tout, on verra. Bon, à première vue, c'est nous les voleurs. Hein. À première vue, c'est nous les voleurs. Et du coup, on a la police aux fesses.
Voilà. Bon, en tout cas, je sais pas si vous avez fait gaffe à la voiture de flic, mais c'était une chouette caisse quand même. Hein. Voilà, petite Corvette qui fait plaisir. Alors du coup, la voiture terre, je sais pas si c'était une Corvette, les gars. Dites-moi ça dans les commentaires, hein, vraiment. Bon, en tout cas, voilà. Là, enfin, c'est du lourd, quoi. C'est... Au plus le jeu évolue, au plus c'est un monstre, quoi. C'est un truc de malade. Petite Corvette. Je sais pas ce que c'est, cette voiture à droite, là. Je sais pas du tout ce que c'est. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ça me fait penser à une vieille muscle car. Vous voyez, cette voiture à droite, là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Si vous avez trouvé ce que c'est, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire, les gars. Donc, les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce petit trailer? Est-ce que ça annonce pas du très très lourd pour l'avenir de The Crew 2? Franchement, c'est un truc de malade. Franchement, enfin, moi, je trouve que GG les développeurs, merci à vous. Et autre chose, les amis, j'ai pas la photo là sous les yeux. J'essaierai de vous la mettre dans la vidéo. Je sais que très vite, il va y avoir la correction des bugs. Alors, ça tombe bien parce qu'en plus, je voulais faire une vidéo avec, en gros, décrire tous les bugs qu'il y avait dans The Crew 2. Et j'ai vu que dans pas longtemps, les gars, c'est les jours qui arrivent, il va y avoir une petite mise à jour, une petite maintenance. Et du coup, les bugs, du coup, photo, le bug de pièce, moteur, et je crois qu'il y a encore deux ou trois autres bugs. Je sais qu'il y a aussi un bug chargement infini. Tout ça, ça va être patché. Et du coup, enfin. Enfin, merci, merci. Depuis le temps qu'on est embêté avec ces nombreux bugs, c'est cool. Bah là, franchement, les gars, je regrette pas d'avoir vraiment fait ce jeu. Au plus, comme j'ai dit, au plus ça avance dans le temps et au plus c'est un monstre. Alors, dites-moi, les gars, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes hypé de ouf comme moi? Juste une petite parenthèse. Les gars, on est en train de prendre et d'aller petit à petit dévorer Need for Speed. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les vanités, les néons, les trucs, tout ça, il n'y avait pas, rappelez-vous, au début, il n'y avait pas tous ces trucs. Et au fur et à mesure, tous les gros points positifs que Need for Speed a, et ben The Crew est en train d'aller dessus. Là, je parlais des néons, des vanités, bon bref, tout ça, ok. Mais là, maintenant, on parle de la police. Et ça, c'est un truc, à la base, c'est plus Need for Speed, vous voyez ce que je veux dire. Bien que le 1 avait la police, mais à la base, c'est vrai que c'est plus Need for Speed. Enfin, moi, quand j'entends parler course, poursuite avec des voitures, pour moi, c'est Need for Speed. Voilà. Tout simplement parce que je n'ai jamais fait The Crew 1 aussi. C'est peut-être pour ça. Mais bon, les gars, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que The Crew 2, boum, voilà, il commence à vraiment monter haut. Ça commence à être un putain de jeu, les gars. Voilà, tout simplement. Excusez-moi du gros mot, mais voilà, c'est la vérité. Bon ben voilà les amis, écoutez, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je pense qu'il y en aurait encore pas mal à dire, mais bon, je vais pas faire une vidéo qui dure 107 ans, là on est déjà sur une petite vidéo d'une dizaine de minutes, donc c'est très bien. Maintenant j'attends vraiment que vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous êtes hypé de ouf, moi je le suis, et voilà. Allez, sur ce les amis, je vous dis bon game à vous, bonne soirée à vous. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi, vivement, vivement la suite les gars. Pff, en fait il y a tout le temps du nouveau contenu, il y a tout le temps des vidéos à faire sur ce jeu, c'est un truc de malade, c'est de la balle, franchement c'est de la balle. Allez, sur ce je vous dis bon game à tous et à plus les amis, à plus.